Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa pour découvrir une voiture dans cet épisode du Mode à la Mode. La présentation de la Ginetta G55 GT3, un bolide qui vient se greffer dans les nombreuses Grand Tourisme disponibles sur le jeu. Alors on a testé il y a quelques jours les GT3 du mode ADAC sur Race Room. Ici on retrouve un mode créé par la communauté. C'est une voiture gratuite qui arrive. On est sur le circuit du Lausitzring en Allemagne et on va voir un petit peu comment cette voiture se débrouille dans un peloton de GT3 issu des studios de Kunos. Et je découvre également la voiture et la piste. On va avoir donc un premier ressenti ensemble. Il y aura peut-être un petit peu de cafouillage, un peu de casse. Je commente évidemment en roulant, c'est toujours un peu plus sympa. Alors sachez que cette voiture donc est gratuite. Elle est disponible dans la description et sur Race Department. Je ne sais pas à l'heure où je vais vous poster cette vidéo en quelle version elle sera. Pour l'instant, c'est la version 1.2, je crois, que j'ai entre les mains. Alors, la Ginetta, voiture à moteur avant. Voiture britannique, bien sûr, qui a couru depuis 2015-2016 dans les différents championnats de GT, notamment en Angleterre avec le GT Open et le British GT. Alors, pour information, le moteur qui anime cette voiture est un moteur Nissan V8 de 570 ou 70 chevaux, ça dépend d'où vous nous suivez. Donc 570 chevaux sur cette Ginetta. Un poids sur la balance d'une tonne 190 et un couple développé à 665 Nm pour une vitesse maximum de 240 km/h et une voiture qui s'ouvre pour l'instant. Alors on est en setup quasiment de base, j'ai pas trop touché à la machine. On est parti pour une course de 8 tours sur le Lausitzring avec une IA à 100% pour voir un petit peu comment la voiture se débrouille par rapport à ses petites camarades. Est-ce qu'on est sur une voiture qui sera au-dessus des voitures in-game ou larguée? Pour l'instant, ce que l'on peut constater parmi les deux premiers tours de course, c'est que la voiture a l'air de, pour l'instant, bien se greffer au comportement de ses consoeurs. Une voiture facile à maîtriser, un très très bon retour de force. Pour l'instant, le force feedback a l'air d'avoir comme information à nous donner que la voiture tient parfaitement le tarmac. Alors c'est une piste qui est très compliquée, le Lausitzring. C'est pas forcément la piste sur laquelle on testerait de base des GT3, mais je me suis dit qu'ici on a des courbes rapides, on a une grande ligne droite et on a des virages extrêmement serrés, un petit peu de bosse aussi. Donc pourquoi pas venir tester cette voiture. Évidemment, les phares sont fonctionnels, le flashlight également. Vous avez un Motec complet au niveau de la réalisation même de la voiture. Pas grand chose à redire, les reflets sont corrects, les proportions sont respectées, l'intérieur, vous le voyez, est parfaitement modélisé, un travail très très propre. Attention, un peu de sous-virage dans quelques virages lents, j'aurais peut-être dû régler un peu le comportement et la souplesse de mon bolide, il n'en est rien de moins que je dois travailler avec mon volant. Mais pour l'instant, vous voyez que sur une IA à 100%, on considère vraiment la voiture comme une autre. Il faut la voir évidemment ensuite gérée par l'IA, mais avec vous à son volant, elle doit plutôt bien se gérer. Alors pas d'usure de pneumatique ni d'usure de consommation de carburant pour cette course. Je voulais juste avoir une voiture régulière à prendre en main. Alors on a une Lamborghini Huracan devant nous, il y a quasiment toutes les GT3 dispo dans le jeu, peut-être pas la Nissan GT-R, mais toutes les voitures qui ont été créées sont là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir attaquer justement cette Lamborghini alors qu'on réattaque le grand ovale du Lausitzring? On pousse un petit peu la Lamborghini numéro 63. On va tenter l'extérieur, une voiture qui a pas mal de vitesse de pointe, 220... 230, boîte à 6 rapports, 240, 246 au moment de toucher les freins. Même si on est un peu à la bagarre avec la Lamborghini, on arrive à se faire une place et on va prendre le dessus. Voilà, sur l'italienne. Alors, mode gratuit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui vous retient de la télécharger. D'autant plus que si vous
jouer en ligue, c'est peut-être pas la voiture la plus difficile à piloter en catégorie GT3. Elle est plus petite, peut-être plus agile que d'autres. Je pense à certains paquebots que l'on a, notamment la Viper qui fait partie du mode GT que l'on doit à nos amis de chez RSS, qui est également sur la grille. Allez, en troisième, on essaie d'être smooth et délicat. Et c'est vrai que voilà, une voiture gratuite qui n'est pas une copie, une adaptation, une conversion, et qui donne vraiment de très bonnes sensations, c'est assez rare. En tout cas, une voiture qui vient se greffer à une catégorie existante dans le jeu. On a eu quelques voitures historiques qui sont venues agrémenter le groupe A avec les Alpha GTA et les autres. Mais ici, je vous invite vraiment à télécharger cette Ginetta. Elle fait un son génial. Honnêtement, c'est assez démentiel. Elle n'est pas compliquée à conduire, donc pour débuter en GT3, c'est pas mal. Et elle donne surtout beaucoup de plaisir hein, avec le force feedback. Franchement, c'est très sympa sur une piste bosselée comme le Lausitzring. On a failli freiner deux roues dans l'herbe, on s'est retenu là. Un peu de sagesse. Le peloton qui se resserre un petit peu. Non, le bruit est très agréable. La maniabilité, le force feedback, tout est au rendez-vous. On va essayer d'aller attaquer la MGGT devant nous. On reconnaît quelques livrées qui ont animé le championnat 2018 de GT du côté des TX3. Je n'ai pas encore fait peau neuve pour 2019. Il y aura un petit championnat à suivre de GT4 à partir de ce week-end, ainsi que l'Interteam qui reprendra ses droits. Vous avez toutes les informations évidemment sur la chaîne. On va essayer d'aller attaquer cette Mercedes. Alors c'est un circuit que beaucoup ont découvert étant jeunes dans un jeu qui s'appelait Toka ou DTM Race Driver, qui à l'époque proposait une carrière très sympathique, et depuis on n'a plus tellement l'occasion de rouler sur ce beau circuit, si ce n'est dans Race Room où il est proposé avec les DTM Experience, et on entend hurler notre V8 aux côtés de celui de la Mercedes. Et c'est vrai que le moteur Nissan fait des merveilles sur cette Ginetta. Allez, ça bagarre, c'est très très fun. Et on essaie de peut-être pourquoi pas remettre en première. Il y a une voiture qui est un peu plus lente devant. Je crois que c'est la McLaren qui nous bouchonne un petit peu. On a quelques bolides qui ont été également modés, hein, et notamment les modes sonores de chez Fonseca pour la Porsche, qui sont absolument génialissimes. On va essayer de repiquer à l'intérieur la MG. Ouais, attention toujours au survirage. Ça se défend bien du côté de la voiture à l'étoile, et finalement, eh bien, on va prendre le dessus pour se retrouver derrière une autre Lamborghini Huracan. C'est pas terminé, la Mercedes à l'intérieur. On s'est fait toucher, je crois. Ça nous a un peu envoyé sur la Huracan. Oh, et on découvre cette Viper avec quand même des flammes bleues crachées. On s'est fait plaisir du côté des modeurs. Mais voilà, donc la voiture est dispo dans la description. C'est un excellent mode. Je vous invite vraiment à le tester et à l'adopter. Moi, je m'amuse beaucoup. J'y ai roulé quelques courses avec cette voiture, plus agile sur les circuits de taille moyenne, ou encore des pistes comme Brands Hatch où elle a l'air de profiter de son agilité face au reste du peloton. C'est vrai que sur des grandes pistes, vous allez peut-être avoir un peu de manque de vitesse de pointe par rapport à d'autres modèles comme la Lamborghini par exemple, qui est réputée pour sa VMAX. Les tours restants, je vais vous les proposer, eh bien, en vue on-board et en vue télévisée, de quoi vous mettre l'eau à la bouche et l'eau aux oreilles, on va dire ça comme ça. En tout cas, pour vous faire kiffer le son de cette Ginetta G55 GT3. We'll be right back.
Voilà, on aura manqué le top 10 de peu dans cette course, mais l'amusement était là et c'est sans doute le principal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présentation de la Ginetta G55 GT3. Une voiture qui, vous le voyez, s'intègre parfaitement au bolide de la même catégorie dans Assetto Corsa. Le lien de téléchargement est dans la description. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao.